Je vois le dessin comme une façon d'appréhender le réel, d'une façon de le comprendre ou au moins d'essayer de le cerner. Et le dessin aussi par le fait que c'est un médium assez lent, on est obligé de... On a le temps, c'est aussi un moyen de penser, je pense. C'est pas juste un moyen de production d'une image, c'est aussi une façon de penser, de prendre du recul, d'avoir un point de vue et de remettre en place la réalité. Plusieurs thèmes qui se retrouvent au centre du travail et qui quelque part se fusionnent, c'est l'histoire de, c'est la mémoire, le souvenir, le fait de comment la grande histoire influe sur nos vies personnelles, qu'est-ce qui est autobiographique, qu'est-ce qui ne l'est pas, et tous ces éléments hétéroclites finalement se condensent dans une image. Et c'est au spectateur ensuite de démêler un peu ce qui se passe dans cette image-là. Effectivement, le dessin est le médium le plus basique et le plus pauvre. Et ce qui est intéressant, c'est de le décliner sur toutes sortes de procédés et de le pousser vers toutes sortes de techniques qui sont à la fois, par exemple, comme dans le cas d'une tapisserie, où le dessin devient quelque chose d'extrêmement précieux, d'extrêmement... aussi cher à produire, long à produire, tout comme de le pousser vers des choses comme un film d'animation où là il y a une idée de mouvement, de montage encore plus que dans les séries de dessin et de voir comment ça réagit face à différents médiums. En fait, cet architecte, ce film, il regroupe il fait un peu une rétrospective du travail des 10 dernières années et c'est l'histoire de, pour être très simple, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui regarde le film Nosferatu le vampire et qui est saisi de terreur à un moment du film et il a une vision qui le projette, il a une vision du futur de l'Allemagne devenue nazie et le film se termine sur une autre vision de Murnau, donc celui qui a créé le film Nosferatu, qui a une vision, lui, juste avant de mourir, de la même période historique, donc de la Deuxième Guerre mondiale. Et ces deux visions sont à la fois, sont en miroir. Le film L'Architecte a la particularité d'être à la fois un film, donc qui peut être montré comme une vidéo d'artiste, qui a été notamment... acheté, qui est maintenant dans la collection du Frac Auvergne, mais également qui est le support scénique pour un concert des Kafka. Et les Kafka le jouent donc en ciné-concert.